Salut les informations, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Magazine. Aujourd'hui, premier magazine de l'année 2024. Et j'en profite pour vous dire bonne année. Oui, parce que j'avais déjà fait des vidéos en avance. Du coup, j'ai pas pu vous le dire avant. Voilà, bonne année. Voilà. Tout, vous l'avez dit, j'imagine. Donc, petit magazine City. Donc, aujourd'hui, qu'on va regarder. Petit magazine très simple, on va pas se mentir. Jouer tout de suite, c'est pas le meilleur. On va pas se mentir. Mais on commence quand même direct avec la figurine. Du coup, ici, vous avez fait une de Max Mayo. Oh. Ouais, bah, toujours et encore et toujours. Hein. Donc, du coup, petite figurine Lego City. Bon, pour le coup, il n'y a rien d'inédit. Cette figurine, c'est du vu, revu et re-revu. Casque, j'en parle même pas. La tête, ça fait 8 fois qu'on l'a dans le magazine. Le torse, de même. Bon, un petit pantalon, simple. Bon, c'est pas ça qui va sauver les meubles. Mais vous l'avez vu, je suis quand même sympa. Donc, je vous montre la fille. Ensuite, ici, on a sa petite construction. Voilà, donc un petit véhicule de chantier. Bon, il n'y a rien de fou. Ça tourne. On a une petite brique au bout de la chaîne. Voilà, rien de sensationnel pour le coup. Bon, après, c'est toujours pareil avec les trucs de chantier, sauf celui avec le rouleau compresseur. Celui-là, pour le coup, c'était vraiment sympa. Bon voilà, on a fait le tour de la surprise qui est, c'est franchement pas ouf. Encore un ouvrier, c'est pas très bon gros, bref. Voilà, vous savez ce que j'en pense. La fin d'un exceptionnel qui plus est, donc bon. Donc petit magazine, toujours 7 euros. Ça change pas. Donc ici vous avez la petite pub pour donc le magazine Minecraft dernier de l'année 2023. Donc j'ai déjà posté la vidéo normalement. Vous avez déjà la review, enfin la vidéo sur la chaîne. Début ici de la BD que vous retrouverez donc sur la chaîne BD, bien entendu. Ici, donc petite page sur notre construction ainsi que donc la petite instruction. Mais franchement, c'est faisable sans l'instruction. Ensuite, déjà, on commence direct tout de suite avec donc les pubs pour les différents sets qui sortent en 2024, notamment le camion à burger ou la prison. Ça, c'est des sets qui sont vraiment cool. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Là encore donc suite de notre BD avec encore un petit jeu avec donc les différentes figurines ouvriers qu'on a pu retrouver dans les sets ou dans le magazine. Un poster qui reprend donc notre construction. Ici donc suite du poster qu'on a vu tout à l'heure. Ici petit jeu donc avec jeu de différence avec les figurines là qu'on vous pouvez notamment retrouver dans un magazine exclu Angleterre, enfin, du moins qu'on n'avait pas eu en France. Petite suite donc de la BD juste ici avec encore un jeu sur deux pages avec un navire invisiblement. Suite de la BD. Encore la suite de la BD avec un petit jeu avec des chaînes et tout ce qui s'ensuit. Encore la suite de notre BD avec ici donc la fin de la BD plus la pub pour le magazine Dreams deuxième donc numéro. Ensuite ici petite pub pour la nouvelle série de cartes Ninjago série 7. J'ai déjà tous les multipacks ainsi que tous les Eco Boosters. Faut juste que je vous les sortent en fait, parce qu'elles sortent pas tout de suite, elles hein, sortent dans longtemps. Enfin bref, donc je les ai, c'est juste que je ne les sors pas tout de suite. Par contre, on peut voir ici les cartes platine. Pour le coup, j'ai déjà une platine, notamment celle d'Arène. Mais voilà, Kai, je la trouve trop bien. Elle est beaucoup trop bien celle de Kai, avec les flammes et tout, ça a l'air trop beau. Et celle de Raz aussi est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, bien évidemment, ça c'est par contre c'est un peu bizarre. Pourquoi faire la pub du magazine Ninjago en sachant que donc c'est les numéros cristallisés, que ceux-ci ne sont plus en rayon normalement. Je veux dire, celui-là c'est quand même août. Oui, celui-là c'est août, celui-là c'est septembre, et celui-là c'est novembre, je crois, ou octobre. Enfin bref, non, je crois que c'est novembre celui-là. Donc voilà, c'est plutôt bizarre de les ressortir maintenant, mais pourquoi pas. Mais voilà, non, c'est un petit peu bizarre. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans le prochain numéro? Là, pour le coup, sans sarcasme, c'est plutôt pas mal. Ici, donc le 7 février, donc c'est encore de la police, oui, c'est encore un hélicoptère. Mais derrière, vous avez quand même quelques petites pièces en Vibrant Yellow, ça c'est cool. Vous avez le nouveau torse, je crois que c'est une nouveauté 2024. Et pareil pour le visage, pour le coup, je ne l'ai pas, celui-ci. Je crois qu'il est nouveau. Donc c'est plutôt pas mal dans le City, là, on a donc des nouveaux torses et de nouvelles têtes. Donc ça c'est plutôt pas mal.
Pour le coup, pour le prochain, non, franchement, celui-ci, il n'est pas si ouf que ça. De toute manière, le City en ce moment, c'est pas très ouf. Mais bon, le prochain, j'aime bien parce qu'il y a quand même quelques trucs qui sont nouveaux. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà un petit peu pour ma vidéo sur ce magazine. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé avant que je fasse un post commentaire. Et voilà, bah, du coup, c'était Jean-Pu qui vous dit bye bye!